Cela faisait 17 ans que la capsule Crew Dragon se préparait pour l'espace. Depuis la base de Cap Canaveral en Floride, la fusée Falcon 9 emmenant la capsule a décollé sans incident dans la nuit de vendredi à samedi. Dragon est donc en route pour la Station Spatiale Internationale, avec à son bord un mannequin baptisé Ripley. Un succès synonyme de grand soulagement pour SpaceX, à qui la NASA a confié la mission de créer de nouvelles navettes spatiales pour transporter ses astronautes. L'objectif, ne plus passer par l'agence spatiale russe, qui est depuis 2011 le transporteur exclusif vers l'ISS. Cette mission test est une répétition générale avant un prochain vol où Ripley sera remplacé par deux astronautes en chair et en os.